Salut, salut, c'est GL Cago. Alors oui, je suis de retour du salon que j'ai fait le week-end dernier à Auxerre, hein, les Auxerre Galactic Days, hein, avec un spécial super robot géant et donc pour ma part Goldorak, où j'exposais ma collection. Donc avant d'en parler plus, je vous propose le petit film que j'ai réalisé de cet événement. Hein, donc je vous propose tout ça et puis on se revoit après. A tout de suite. Salut à tous, c'est GL Cago, donc ça y est, on est à l'expo. J'ai galéré pendant au moins 3-4 heures à tout installer. Mais voilà, mon stand à moi est prêt. Alors je vais déjà vous faire découvrir mon stand hein, avant de vous emmener découvrir les autres. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors voilà, donc il y a des petits ajouts hein, donc de l'ami Patrick hein, qui est au stand juste à côté de moi. Alors j'espère que la couleur rendra mieux que ce que j'ai là sur mon écran parce que c'est pas terrible. J'ai appelé Adrien, mais si je me trompais, il m'a dit ça. Donc voilà, c'était le tour de mon stand et de mes vitrines. Donc écoutez, là maintenant, on va aller, je vais aller faire un petit tour hein, pendant que tout le monde arrive. Thank you.
ferai un petit tour de l'expo avant, on va dire, l'arrivée de tout le monde, hein, qui devrait se passer d'ici une demi-heure. Donc ensuite, bah, je referai des photos avec le monde. Essayer de vous prendre un peu les cosplays aussi. Il y a peut-être des nanettes mignonnes, on sait jamais. Donc voilà. Fais coucou, ma chérie. La pauvre. Elle est venue ici avec moi juste pour que je puisse assister à des conférences. Enfin, voilà. Salon, hein, voilà, c'est vide, hein, ça se vide. Moi, j'ai vidé mes deux vitrines. Je vous prépare un petit débrief de tout ça, une petite vidéo avec ce que j'ai filmé, les photos, et puis ben voilà. Moi, c'était ma première expérience en salon, et franchement, merci à l'organisation du Auxerre Galactic Day, c'était vraiment excellent. Allez, à prochaine. C'était le petit film que j'ai réalisé lors de cette conférence. Hein. Alors moi, c'était vraiment ma première, c'était la première fois que je faisais ça, que je sortais mes jouets, exactement la deuxième. Mais vraiment à si grande ampleur, la première. Alors j'ai vraiment passé un moment formidable. Hein. Je remercie les gens qui sont venus me voir, qui m'ont posé des questions, ou même les personnes que j'ai pu renseigner sur Goldorak ou autre, avec le peu de connaissances que j'ai. J'ai vraiment passé un agréable moment. Hein. Merci à Christophe. Hein. Qui me suit sur ma page et qui est venu, qui s'est présenté à moi, avec qui j'ai beaucoup discuté. Merci Seb d'être passé aussi, même si je sais bien que toi, tu n'as pas Facebook, donc bah, tu ne verras pas cette vidéo, où je couperai juste ce petit rush pour toi sur Instagram. Donc voilà, merci vraiment à tous, merci au collectif Francorac, hein, qui changera peut-être de nom, hein, donc Sabine, Carole et puis Patrick, hein, merci à vous. Hein, donc d'ailleurs, Patrick, chose très 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 intéressante que j'ai apprise, hein, c'est qu'il dessine super bien. Voilà, il m'a fait ce dessin-là. Parce que il était en train de le dessiner, j'ai dit « Ah vache, il est beau !» Il m'a dit « Tu le veux ?» J'ai fait « Bah ouais, c'est cool !» Donc voilà, il m'a fait ce dessin. Et ensuite, en regardant dans son bouquin de dessins qu'il avait fait, des ébauches il y a quelques temps, et ben il avait celui-là. J'ai dit « La vache, il est beau !» Du coup, ben il me l'a donné aussi.
Voilà, vraiment merci à toi Patrick, hein, c'est vraiment super sympa. Sinon, bah oui, remercier aussi les organisateurs, hein, et plus particulièrement Romain. Romain qui, c'est lui qui m'a contacté, qui m'a demandé de venir exposer, c'est lui qui s'est démené pour me trouver les vitrines. Donc vraiment merci à toi Romain. Merci aussi pour l'affiche que tu m'as donnée à la fin, elle fera très bien au fond de ma vitrine. Donc voilà, merci à l'organisation du Galactic Days, hein, en espérant vraiment bah, que ce que j'ai pu vous apporter vous a plu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des remerciements. Hein. Ah, si, j'ai aussi pu. Hop. Si, je me suis fait un petit achat sur le salon. Hein. Hop. Voilà, le tome en français de Grandizer Giga, hein, que bien entendu j'avais en japonais, mais. C'est difficile, c'est plus difficile à comprendre, on va dire. Hein. Les dessins sont jolis, mais voilà. Donc non, non, j'ai hâte de le lire. Hein. Je pense qu'après avoir monté la vidéo, je vais m'y atteler. Donc voilà, encore une fois, merci tout le monde. J'ai vraiment passé un super moment. J'espère que ce petit reportage, on va dire, vous aura plu. Alors oui, désolé. Vraiment au moment de la plus grosse influence, là où je voulais prendre les photos pour vraiment montrer la foule. J'étais à la fameuse conférence table ronde sur Goldorak. Donc oui, effectivement, sur les photos que j'ai mis dans la vidéo, on peut se dire, il n'y avait pas grand monde, mais si, il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est juste que j'ai pas pris vraiment les photos lors de la période de rush. Donc voilà. Eh bien écoutez, sur ce, moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, hein, à vous rappeler à ma page Facebook, hein, Goldorak and Friends, by GL Kago, ou alors vous tapez tout simplement GL Kago dans Facebook, vous allez me trouver. La même chose sur Instagram, hein, je suis presque à 1000 personnes qui me suivent. Wouhou! C'est génial! Donc voilà, c'est ça. Et si jamais vous voulez en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Goldorak, les amis à Goldorak, tous les robots qui ont précédé et ceux qui ont suivi, et maintenant, parce que le grand Manitou de notre groupe Facebook a décidé de s'ouvrir à tous les autres robots japonais, et ben écoutez, je vous invite hein, donc sur Roboto, alors Robto, donc Roboto, et les super robots japonais. Voilà, là, sur ce groupe Facebook, vous allez vraiment en apprendre énormément. Il y a vraiment des pointures, des gens qui connaissent énormément, bah, vraiment ce monde-là. On a aussi vraiment des pointures, et c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc voilà, j'ai fini pour moi. Hein, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation. Et n'hésitez pas à liker et à partager cette petite vidéo. Allez, salut, c'était GL Kago.